La situation à présent, situation sanitaire en Guadeloupe. L'état d'urgence a été décrété avec le couvre-feu de 21h à 5h du matin. Et puis l'île de la Martinique sera à nouveau confinée à partir de demain 19h et pour au moins 3 semaines, annonce du préfet de Martinique. Il faut dire que sur l'île, les chiffres du Covid explosent, Caroline Baudry. Oui, le taux d'incidence a triplé en 2 semaines. Il est aujourd'hui de 995 cas pour 100 000 habitants. C'est 5 fois plus que la moyenne nationale. Un chiffre alarmant alors que seuls 15% des Martiniquais sont doublement vaccinés. Le CHU de Fort-de-France est saturé. Toutes les chambres sont occupées, ont précisé les autorités locales. Conséquence, le couvre-feu à 21h, déjà en vigueur sur l'île, est ramené à 19h. Et puis c'est le retour de l'attestation pour se déplacer au-delà de 10 km de son domicile. Les commerces restent ouverts, mais les salles de sport et les restaurants doivent baisser le rideau. Un coup de massue au plus fort de l'été, explique Véronique Bidot-Deschaumes, présidente de l'Union des métiers de l'hôtellerie en Martinique. C'était pour nous une période importante pour pouvoir refaire un peu de trésorerie pour tenir jusqu'à la fin de l'année. Il faut savoir qu'on n'a pas eu de haute saison depuis 2 ans. Je ne sais pas où on va parce que ce n'est pas avec 20% de clients qu'on peut continuer à faire tourner nos hôtels et nos restaurants. La préfecture a précisé que le chômage partiel spécial Covid et le fonds de solidarité seraient maintenus pour les structures fermées. Caroline Baudry.